Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test de Absolver sur PlayStation 4, édité et développé par Slowclap et Devolver Digital, sorti officiel le 29 août 2017. Donc du coup, voilà, directement dans le vif du sujet, un jeu qui apparemment est pseudo open world, mais bon, assez linéaire. C'est un jeu de fighting avec pas mal d'ouverture. On m'a dit, on dit qu'apparemment c'est du like Dark Souls sur certains aspects. J'espère que c'est pas pour la difficulté. Les équipements, donc là voilà, je passe vite fait, vous pouvez voir donc du coup ce que ça rajoute, ce que ça enlève quand on bouge. Les armes, les pouvoirs, donc ça c'est des choses après bon que l'on débloque après au fur et à mesure. L'arbre des compétences dans lesquelles vous pouvez vous mettre des points au fur et à mesure. Les trois styles de combat, et puis ensuite qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? La carte, par exemple. Sur la carte, vous voyez que les points, en fait, sont ce sont des personnes, en fait, qu'il faudra aller tuer pour accéder à cette porte brillante qui est tout à droite. Donc voilà, j'ai plusieurs fights à faire. En parlant des trois styles de combat, trois styles qui portent sur la parade. Il s'agit du Force Ken, si je me souviens bien, de l'esquive qui est du Windfall et de l'absorption des coups qui est du Calte. Oui, c'est bien ça. Donc voilà, trois styles avec plusieurs mouvements à vous équiper, à apprendre en fait au fur et à mesure. Plus vous allez taper, plus vous allez comprendre comment faire ces mouvements au mieux. Donc voilà, je vais sans plus tarder, me diriger donc du coup vers la première personne qu'il faut que je bute. Dans les équipements aussi, à savoir pour ceux qui ont précommandé le jeu, je m'adresse que à ceux qui ont préco, du coup vous avez deux tenues offertes, celle du prêtre horacien et celle du commandant Chabou, il me semble. Et du coup bon, ça vous offre un léger avantage rien qu'au début du jeu, mais bon après genre d'ici 2-3 boss vous aurez le même style quoi d'attaque, de défense, enfin de bonus malus que vous offrera les équipements. Premier combat. Donc, vous voyez, avec R2, je peux ensuite bouger 4 angles de mon corps, en fait, et en fonction de ces angles, il y a des coups différents qui sont donnés. Vous avez des coups rapides, des coups lents, des coups brise-garde, et tout ça, c'est un combo en observant, en fait, votre adversaire. Franchement, le jeu est pas mal, il a un style cel-shading qui lui va très bien, et on sent quand même que c'est travaillé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que le cel-shading, c'est pas beaucoup d'heures de développement, détrompez-vous, franchement. Il y a un mec en haut, donc bon. Mais il y a du monde un petit peu partout. Est-ce que je peux prendre lui tout seul? Allez, viens. Le loquet, c'est R1. Et ensuite, vous tapez avec carré, triangle. Et rond, ce sont des esquives. Et le joystick gauche aussi, des esquives, mais sans bouger. Tandis que rond, c'est plus de la retraite. Un pas chassé vers l'arrière, ou enfin en fonction de là où vous dirigez votre joystick. Les combos qui sont lents effectués avec genre mon pied qui devient en feu, c'est un brise-garde en fait, que j'effectue à chaque fois pour leur péter la garde et continuer à les frapper. Je suis un adepte du Windfall, qui est voilà la technique qui est tout basée dans, en gros, où je me prends les coups dans la gueule, où je les esquive, mais je ne pars pas en fait. Donc du coup, c'est une technique qui, bon, elle est medium rank en fait, de maîtrise. Elle a 2 étoiles sur 3. Mais bon, elle offre quand même pas mal d'avantages, mais aussi un malus, c'est que nous sommes, nous, ces adeptes-là, nous sommes les seuls qui prennent vraiment tarif quand on se fait frapper, quoi. Mais bon, voilà, c'était le style de combat qui me plaisait le plus, là, comme ça, visuellement. Bon, personne autour. On va aller le buter. Je vais commencer à grimper. Non, franchement, le style est vraiment sympa. Après, si vous aimez ce genre... Après, donc voilà, on m'avait dit like à la Dark Souls. Bon, après, si c'est uniquement la stèle où est-ce qu'on peut prier, bon, ça rappelle, ok, l'épée dans le feu de camp, mais bon, après, de là à dire que ça ressemble vraiment, bof, quoi. Non, après, voilà, ils gèrent, franchement, même les ordinateurs, en fait, ont exactement le même gameplay que vous en fonction de la technique de combat qu'ils ont pris, tout simplement, quoi. Allez, oh putain, il m'enchaîne, l'enfoiré. Après, il y en a certains qui ont plus de vie que d'autres, etc. Vous voyez les arcs de cerf qui montent autour de ces figures-là? Voilà, c'est parce que je suis en train de les maîtriser au fur et à mesure. Alors, du coup... On va se mettre... Voilà, quand on gagne du niveau, autant en profiter. Il n'y a rien à récupérer.
des objets qui sont destructibles par-ci par-là, mais bon, je n'ai jamais vu d'objets dans les pots cassés. Donc voilà, après, donc l'histoire, qu'est-ce que c'est? En fait, nous sommes plusieurs disciples dans un monde que l'on ne connaît pas trop, quoi, en fait. On a tous un masque, mais nous ne. En gros, on n'a pas l'honneur, on n'a pas le charisme, on n'a pas la prestance, bref, on n'a pas la valeur nécessaire pour pouvoir porter ce masque. Et à la fin de notre initiation, en fait, le grand chef, l'instructeur, en désigne certains, nous envoie en gros dans un monde comme celui-ci, et notre but est de devenir un absolveur. Donc voilà, après, je ne sais pas ce que ça fait réellement d'être un absolveur, mais bon voilà, j'ai gagné le droit de porter mon masque, plusieurs masques bien sûr, vous pouvez porter, vous voyez que ce masque rouge, ce n'est pas le premier que vous allez avoir, c'est un masque de précommande. Donc du coup, même dans l'état, ce n'est pas que les personnages qui vous donnent des items. On trouve carrément des trucs, voilà, sous des tas de pierres. Allez, je vais venir te buter du coup, toi. Allez, viens là. Après, c'est pas un boss en fait, hein, parce que les boss, ils ont des noms au-dessus de leur tête. Oh, un autre joueur. Ouais. Ouais, bon, ok, c'est bon. Je vais l'aider. Je pense qu'il était en train de me saluer. Le mec, vous avez vu qu'il s'était mis en parade pour m'attaquer quand même. Hein. Vous voyez, voilà, pendant le solo, des gens peuvent du coup venir dans des zones un petit peu entre guillemets sociales où est-ce que tout le monde peut se croiser quand il n'y a pas d'event. Ce qui fait que du coup, on peut s'affronter en fait. Du coup, voilà. Ouais, donc c'est peut-être par rapport à ça que ça ressemble à du Dark Souls, mais bon. Tu m'attaques ou pas? Sois gentil. Allez, viens. Il me suit. Yes. Bon, mais je me suis fait un ami. Vous voyez, en fait, on peut s'affronter dans le jeu. Mais rien ne nous empêche d'avancer dans les espaces où est-ce qu'il n'y a pas réellement justement de quête ou d'event. Où est-ce qu'on va pas être séparé par une double map, en gros, par une même séquence, mais qu'il faut absolument faire seul. Donc, ça, c'est sympa. Donc ça c'est cool, bon après c'est la première personne que je rencontre, je pense que lui aussi ça doit être la première fois qu'il joue au jeu. Ça doit aussi bien le rassurer d'avoir un collègue plutôt que... Après je ne sais pas si on peut se taper, donc... Oula! Merde, merde. Voilà, donc c'est pour ça qu'en fait je le laisse frapper, que je me recule un peu. Non pas que je l'aide pas, mais bon j'ai pas envie que je le frappe et qu'il pense que j'ai envie de le buter. Ouais non, je pense qu'il m'aurait frappé déjà, il aurait eu le temps de me mettre un coup dans le dos s'il avait voulu. Non, franchement, le jeu est sympa. Franchement, c'est vite prenant. Enfin, je sais pas vous, mais bon. Alors, du coup, mais où est-ce qu'il faut aller? Alors, il y avait des ennemis vers le port. Ah, tiens, une stèle. Enfin, un hôtel. Alors, qu'est-ce que nous avons, du coup? Épreuve et sociale? Ça, je l'avais pas vu avant. Ok, bon, c'est là où est-ce qu'il y a du versus fighting. Ouais, bref, on verra après. Pourquoi il s'est mis comme ça, lui? Ça fait quoi? On dirait qu'il attend quelque chose. Hein. Il est allé dans le... Je crois qu'il est allé dans le combat. Dans le combat 1v1. Si je le... Ouais. Non, j'ai pas trop envie de faire du versus fighting, quoi. Social. Bon, là, c'est là où est-ce qu'on peut inviter les gens. Si je clique... Ouais, non. Ouais non, 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 ouais non, non, j'ai pas envie de me lancer dans un versus fighting maintenant. Donc ouais, le social c'est là où est-ce qu'on va inviter les gens rencontrer, mais bon là apparemment j'y ai pas accès encore. Je pense qu'il faut que je fasse un truc, je dois pas avoir terminé vraiment la toute première mission du jeu. Ça y est, il est revenu. Bon. Eh ben allez, on va continuer, hein. Donc du coup les ennemis vers le port, on va se décaler un petit peu vers la gauche de la map. Non, franchement c'est stylé, c'est vraiment classe. Les ennemis réapparaissent apparemment, ouais, nouvelle. Ah, ils sont trois? C'était pas que deux? Je sais pas, quand ils m'ont amené dans la petite ruelle là derrière mon personnage, ils étaient que deux. Enculé, il est costaud cet ordinateur là. C'est bien, c'est à toi, à moi, quoi. En gros, on se passe le mec. Je vais avancer, je vais lui montrer que je suis là quand même. Et voilà un niveau supérieur. Donc, on va se mettre le point.
Voilà, on va essayer d'équilibrer le personnage, quoi. Donc, oh ben en plus, il va de suite vers le port. Oh, un autre joueur. Ouais. Bon, on s'en fout un peu. Oh merde, putain, il est en train de se faire taper. Ça fait un peu le raccro qui laisse le mec se battre, tu sais, qui reste en recul. Mais après, bon, le jeu aura souvent le même principe, mais franchement, après, il faut... La carte est à découvrir et tout, c'est assez sympa, franchement, hein. C'est vite prenant, moi, je trouve. Allez, venez vous battre, vous. Tout est dans l'esquive. Après, bizarrement, j'ai pas réussi à trouver le PEGI du jeu. Parce que d'habitude, je vous conseille le PEGI, je vous dis aussi la note, mais là, ni Game Rankings, ni même les jeux francophones, que ce soit même les métacritiques, JVC ou autres, n'ont sorti de notes sur le jeu, donc je peux pas vous en donner. Mais le PEGI est écrit PEGI 0 partout. Donc je pense qu'on doit tourner autour d'un PEGI 7, PEGI 12, selon moi. Mais bon, voilà, rien de bien folichon, quoi. Pourquoi il joue dans l'esquive, lui? Il commence à me casser les couilles, hein. Si tu veux que je vienne, je viens. Ah, hein. Oh, je le fais tomber. Bon, ben viens. Je crois que je l'ai foutu en hors-map. Ben, je vais venir te taper, hein. Après, est-ce qu'on peut nager, par contre? On dégage. Ah, putain, oui, on peut crever. Oh, fait chier. Bon, merde. Bon, maintenant on sait à quoi sert l'hôtel. Oui, d'accord. Dark Souls-like, ok, oui, je comprends sur certains principes, mais... Oh, merde! Oh, mais ils sont revenus, les ennemis. Oh, mais c'est ultra punitif. Oh, bordel. Putain. Bon, vous savez quoi? Je vais... oui, ben, en plus, faut aller à la grande tour, là-bas. Donc, je vais scinder la vidéo. Je vous dis à de suite quand on se retrouve là-bas. Ok. En plus, quelqu'un vient de réapparaître à l'instant. Oh, bah, en plus, il est gentil. Ouais, beaucoup de respect dans ce jeu, franchement. Il y a des gens qui veulent vraiment faire copain-copain et pas forcément se foutre sur la gueule. C'est sympa. Moi qui suis plus attiré vers le PVE que le PVP, je suis plutôt content que des joueurs qui pourraient m'éclater la gueule me disent oh, « Allez, viens, tu vas m'être utile, quoi. » D'accord. Ah ouais, mais c'est... Ah ouais, non, mais d'accord, mais c'est ultra... ouais, c'est ultra dangereux, quoi. Enfin, c'est punitif, ma parole. Donc, il m'avait parlé de mes techniques, hein, d'en apprendre plusieurs. Donc, trois styles, oui, aussi. Il y a les mains nues, armes de pugilat et épée. Vous avez trois styles. Du coup, après, il faut combattre le plus longtemps avec pour pouvoir vous familiariser avec ce style de combat. Vous avez un mode entraînement où est-ce que le mec ne bouge pas et ensuite vous pouvez vous mettre différentes attaques en fonction à tel moment vous allez faire carré ou tel moment vous allez faire triangle. Les dégâts sont écrits en bas à gauche, vous voyez la classe qui vous convient le mieux avec ABCD, tout ça. Pour ensuite, au mieux, le taper, quoi. Bon, continuons donc du coup dans le solo. Mais du coup, c'est ultra punitif. Dès qu'on crève, on perd... Putain, mais c'est... Ouais, en gros, c'est... Oui, c'est comme quand on perd nos âmes dans DS. D'accord, ok. Oui, bon, oh, c'est bon. Je vois dans quelle... Ok, c'est... Dans quelle similitude on peut avoir affaire à... Enfin, penser à un DS... À un DS-like, d'accord. Ce qui nous le rend... ce qui le rend toujours aussi attrayant, quand même, comme jeu. Franchement, moi, je suis en train de kiffer. Je sais pas vous, mais je kiffe grave. Donc on est dans la tour, on est en train d'affronter des types à plusieurs, ce qui est plutôt bien. Heureusement encore en fait qu'on cède, parce que je me dis que dans le fond, si on se met sur la gueule, mais on va pas avancer dans le jeu en fait. Donc je pense que les mecs ont eu la jugeote déjà nécessaire, rien qu'au début. Ouais, le mec me fait un truc gentil et tout, enfin bon, c'est cool. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, un event. Eh bien, mesdames et messieurs, je crois que c'est le premier méchant. Maintenant, reste à savoir si on va être deux ou si je suis du coup dans une zone où est-ce que je dois le faire seul. Bon, de toute façon, on va se battre. Qu'est-ce qu'il me fait? Le mec, il utilise la force, quoi. J'ai affaire à un Jedi, quoi. Vous croyez que c'est ça, le pouvoir d'être un absolver ou quoi? Et par son natural inter,
Ok. L'infériorité numérique, vous la sentez? Comment ça pue la merde là? Elle vient te battre. Bon, ok, il n'y a pas mon collègue, donc je vais être seul. Oh, le sac à PV, ma parole, que c'est lui. Allez. Oh là là, cette esquive du feu de Dieu que je lui ai mis là. Je me sens plus, les gens. Non, ça va, au final, c'est facile. Enfin, je dis ça, il va me péter la gueule à un moment, je sais pas. Je pense qu'on va passer dans une dans un style de phase 2 au bout d'un certain pourcentage de vie de l'ennemi. Il va prendre au taquet de force, il va nous dégommer. Ah, parce que là, je l'ai mis Half-Life, là, quasiment. D'accord, ok. Bon, ben oui, ben, on a, j'avais raison. Donc, du coup, voilà, hein, quand il a plus, enfin, quand il est moitié vie, là, il envoie ses sbires. Ah. Allez, on va attaquer le premier qui arrive. Oh, mais ça va, ils ont pas beaucoup de vie. Ils ont pas beaucoup de vie, c'est cool. Donc on peut lock avec... Faut rester appuyé sur R1 et switcher avec le joystick, mais c'est pas évident, ça je m'y fais pas. Je pense qu'une simple pression du joystick sur le côté droite-gauche, ça aurait pu être plus simple pour switcher, mais rester appuyé sur R1, c'est pas évident. Je vais enchaîner que mes coups sans faire de la brise-garde, comme ça je serai beaucoup plus rapide. Non, autant pour moi, vous voyez, la vie s'affiche, là, du personnage derrière. C'est parce que j'ai fait un coup de joystick vers le bas. Donc ça va, en fait, il va taper vers où est l'orientation du joystick, même si la target est mise sur notre ennemi. Ça va, je retire ce que j'ai dit, c'est plutôt sympa. Le mec est en train de m'enculer, en fait. Bordel. Dégagé ! Après, bon, l'avantage de mon personnage, c'est que, vous avez peut-être dû le remarquer, quand je bute des gens, je récupère de la vie. Oh, vous le verrez au pire. Oh là, mais hé, hey, mais tu vas te calmer, ma parole ! Ouais, après, faut que j'attaque les autres parce que je m'énerve contre lui pour vouloir le buter, mais en fait le but c'est surtout de buter les autres parce que c'est eux qui vont être handicapants. En même temps je récupère de la vie, c'est des petits bah, des petits medic packs qui arrivent pour moi, c'est cool. Là, je suis pas full life là du coup, mais putain, si en plus c'est eux qui m'enlèvent de la vie. Non ça va, franchement j'en récupère pas mal, ça franchement c'est ça c'est cool. Prise en main quand même, bon le jeu vous apprend un petit peu, mais bon il va... Même après le tuto, il va vous falloir quand même certains combats pour vraiment maîtriser votre personnage. Même moi, là, je galère un peu quand même. Hein. Faut pas se leurrer. Le mec a une allonge. En plus, il a des armes de pugilat, le bâtard. Hein. Les armes de pugilat, c'est, vous savez, c'est des griffes qu'on se met aux mains. Et ben voilà, c'est fait. Bordel. Bon... Ah ben justement, j'ai gagné des armes de pugilat. Non, c'est pas là-dedans. Arme. Ouais, ça fait mal dans son style. Alors, ah d'accord, et je vais pouvoir les sélectionner avec les flèches directionnelles en bas, en haut. À gauche, donc du coup, je me redonne de la vie et je suis fort pendant un petit moment. Et en haut, apparemment, je peux pas le sélectionner d'un coup. Enfin, de suite. Merde, ben du coup, j'ai utilisé mon pouvoir à gauche. J'aurais peut-être pas dû. Enfin bon, mais du coup, les gens, je pense que la dernière chose qu'il y a à faire, est-ce que j'ai des attaques, par contre, pour l'arme de pugilat, en fait? C'est ce que je suis en train de vérifier. Non, non, mais non, non, pas les attaques, on change, voilà, arme de pugilat. Voilà, on va se mettre des attaques. Mais je pense que la dernière chose que j'ai à vous montrer, je pense que ce sera ben, forcément du versus fighting en PvP, même si je n'aime pas ça. Après, je sais pas si ça tape aussi fort, parce que, bon, je vois qu'à 1% près, mes mains nues font plus mal. Mais bon, on verra bien. Du coup, eh bien écoutez, je vais à nouveau scinder ma vidéo et on va se retrouver du coup pour un petit moment de PVP, pour enfin conclure le vidéo test d'Absolver. Je vous dis à de suite. Hmm. Ouais, c'est sympa. Voilà comment se présente le versus fighting. Ça, c'est cool. Attendez, je vais tenter un truc parce qu'il s'approche pas. Hop. Yes, beaucoup de respect dans ce jeu. C'est bien ce que je dis, franchement. C'est vachement cool. Vous pouvez le voir en bas à gauche aussi, j'ai gagné maintenant quelque chose qui s'appelle la gravité. Donc j'ai buté un autre gars avant de faire du versus fighting un petit peu pour me mettre en main, quoi. Et mes armes de pugilat, en fait, je peux les utiliser au bout d'un certain temps parce qu'il faut le temps qu'en fait qu'elles se stackent, que je bute du monde, etc. Et aussi que je trouve un cristal d'activation, en fait. Vous savez, c'est ces espèces de petits symboles qui, en fait, gravitent un petit peu autour de ma hanche, derrière mon dos. Et en fait, voilà, dès que c'est brillant, je peux utiliser un de ces trois pouvoirs, en fait. Merde.
Donc apparemment, ça se fait en 3 manches, je vois, en haut. Mais bon, j'ai pas trop le temps de regarder. Et mes coups font quand même vachement mal pour quelqu'un qui fait que de l'esquive. Hein, alors que pourtant, je suis censé avoir la technique de combat qui fait le moins mal. Ça, je pense que c'est quelqu'un qui a voulu de suite tester le PVP rien qu'après avoir fait le tuto. Ah, merde. Ah, bien. Non, ouais. Ou alors je dis ça, en fait. S'il faut, ils sont tous comme ça et je suis ultra fort. Non, je déconne, je suis une grosse merde. Du coup. Allez, hop. Un petit salut pour le round 2. Tu vas me répondre ou pas? Yes, putain, c'est génial. Franchement, vous voyez, là, c'est ce genre de moment, ce genre d'affinité qu'il y a entre les joueurs dans les jeux que je trouve vraiment génial, en fait. C'est que les gens ont compris. Ce mec n'a rien à voir avec les deux mecs que j'ai rencontrés durant la phase 1 et avant que je scinde pour la deuxième partie, quoi. On s'est salués de suite pour se dire on est potes, et même dans le mode PVP où est-ce qu'on est censé s'affronter, il y a ce respect-là. C'est vraiment génial, quoi. Donc là, vous voyez, mon cristal, enfin, est activé derrière. Et du coup, je pourrais activer l'un de ces trois bonus. Par contre, la gravité, je ne sais pas exactement ce que c'est. Même si l'autre, après, c'est utiliser les armes de pugilat pendant un certain temps. Vous voyez l'arc de barre blanc qu'il y a à côté, à gauche, des armes de pugilat. Il faut que j'arrête de parler, il est en train de me niquer. J'utilise pas assez les esquives fixes, en fait. Je veux toujours me reculer. Allez, 2-0. Allez, petit salut encore une fois. Yes, putain. Ouais, non, mais c'est devenu un automatisme. C'est génial. J'aimerais tellement que tous les joueurs fassent ça dans ce jeu. Bon, après, franchement, si le style de jeu vous plaît, franchement, foncez. En plus, le jeu n'est pas bien cher. Je crois qu'il coûte moins de... Enfin, je sais plus si c'est 29 ou 39 euros. Je sais plus. Enfin, en tout cas, quand je l'avais pris sur le PS Store, je crois qu'il était à 29 balles. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, donc du coup j'hésite entre ces deux prix, mais voilà, c'est l'un des deux. Après, c'est en dématérialisé. Je ne sais même pas d'ailleurs s'il y a une version boîte. Si, apparemment, il y a une version collector avec un masque d'absolveur dedans, donc oui, il doit y en avoir un. Mais celle-là, elle doit coûter bonbon, je pense. Bon, vous savez tout ce qui est politique de pack collector, tout ça. Yes, victoire! Oh, ça aura pas duré longtemps, les manches, en fait. Bon, voilà, donc du coup, ben, je vais me stopper là. J'espère du coup que mon test de Absolver vous aura bien plu. Moi, en tout cas, il me plaît vachement ce jeu, je pense que je vais le poncer à fond. Sur ce, je vous dis du coup à très bientôt tout le monde, portez-vous bien et à ciao.